Coucou à tous, c'est Amélie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu particulière parce que c'est une vidéo qui fait partie de mon livre. Donc vous savez, j'ai sorti un livre le 18 mars dernier et c'est un livre en fait où vous pouvez avoir donc des tutos photos bien sûr dans le livre, mais aussi des flashcodes qui vous permettent d'aller sur le tuto en vidéo. J'avais envie quand même de vous partager certaines vidéos sur cette chaîne là. Je me suis dit ça peut être sympa, ça peut aussi vous donner envie d'aller voir les autres tutos qui peuvent exister dans ce livre là, ça me faisait plaisir, donc j'en partage une aujourd'hui avec vous juste après cette petite intro. Mais j'ai une super nouvelle à vous annoncer avant ça. C'est un meet-up qui va avoir lieu très prochainement, le 9 juin à Paris, pour la nuit de la coiffure. Alors c'est juste une nuit d'enfer. Et grâce à L'Oréal Professionnel, je vais pouvoir inviter 15 d'entre vous. Alors par contre, c'est vrai que c'est 15 d'entre vous qui habitent à Paris ou en Ile-de-France, voilà, qui pourront participer. Je suis désolée pour les autres, mais bon, on va se retrouver très bientôt certainement dans d'autres genres de meet-up. Et donc 15 d'entre vous vont pouvoir participer à cette nuit de la coiffure à la mairie de Paris. C'est juste une nuit mais trop bien, vous allez vous faire chouchouter par des coiffeurs, diagnostiquer le cheveu, vous partirez avec un tote bag, enfin il y aura plein de choses et on passera toute cette soirée là ensemble. Donc je suis juste super contente de pouvoir vivre ça, en fait c'est un plaisir. En tout cas, pour celles qui souhaitent participer et qui veulent remporter ces 15 places, il n'y en a que 15, je suis désolée, mais bon on est d'autres aussi, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de faire gagner plein de places. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir. Celles qui souhaitent y participer et qui pourront assister ce jour-là donc à ce meet-up, n'hésitez pas donc à aller voir tout en barre d'infos. Je vous explique comment participer. Il faudra juste m'envoyer un mail avec votre nom, prénom et adresse pour qu'on puisse vous envoyer les invitations une fois que le tirage au sort sera fait. Et voilà, c'est tout simple. L'adresse, c'est concoursamivie@gmail.com. Voilà, c'est toujours la même. Et puis écoutez, bah moi je vous dis bonne chance. J'ai trop hâte en tout cas de partager ce super moment avec vous. Je m'arrête ici. Encore merci à L'Oréal Professionnel de pouvoir me faire participer à ça. Et à Caroline, tu te reconnaîtras, Caroline. voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et on enchaîne avec la vidéo. Bisous, ciao. Je commence par appliquer une base sur toute ma paupière mobile et fixe. Donc celle-ci est nacrée et c'est ce qui va permettre de fixer vos fards à paupières et de faire ressortir leur couleur. Ensuite, on va appliquer donc un fard qui est cuivré, légèrement cuivré, sur le milieu de la paupière mobile. Donc la paupière mobile, c'est la paupière qui se ferme et qui s'ouvre. Je fais la même chose, mais cette fois-ci en ras de cils inférieur, donc vraiment avec, vous voyez, c'est un pinceau plat, mais je prends la tranche de mon pinceau pour faire mon ras de cils inférieur au milieu de ce ras de cils. Et vous voyez, la couleur orange, ça fait vraiment ressortir les yeux bleus. Après, j'enchaîne en appliquant un fard de couleur bronze dans le coin interne de ma paupière mobile. Donc je le mets avec un petit pinceau plat aussi, mais un peu plus précis, il est beaucoup plus petit. Donc c'est plus simple pour l'application, surtout dans le coin interne de l'œil. Et ensuite, je vais faire la même chose, mais en coin externe. Donc je le place vraiment à l'endroit où on n'a pas mis encore de fard et je le fonds avec mon cuivre que j'avais mis au milieu. Donc je fais en fait un petit effet de triangle au niveau du coin externe de la paupière mobile. Et après, vous voyez, je fonds ce fard bronze avec mon fard cuivré que j'avais mis avant. Je vais prendre un pinceau un peu plus pointu et plus touffu aussi pour vraiment bien fondre cette couleur bronze avec mon cuivré et aussi pour inciter au niveau de la pliure de mon œil. Donc voilà, je fais des va-et-vient, c'est vraiment le plus important pour avoir cet effet fondu de dégradé aussi. Et je vais légèrement l'étirer vers l'extérieur sur ma paupière fixe.
Ensuite, je fais le dessous de mon œil, donc mon rat de cils inférieur, et je vais appliquer mon bronze dans le coin externe de mon rat de cils inférieur et ensuite dans le coin interne, voilà, sur les deux endroits où on n'avait pas encore appliqué de fard. Donc il y a du bronze et je le fonds avec mon cuivre que j'avais mis au milieu juste avant. Ensuite, je vais appliquer donc un crayon cuivré dans la muqueuse de l'œil. Donc c'est vraiment à l'intérieur de mon œil, au ras de cils en fait, mais vraiment à l'intérieur, pour faire ressortir, vous voyez, le côté bleu intense de ses yeux. C'est vraiment très joli et c'est pas forcément une couleur auquel on pense, et ça rend super bien sur ce make-up. Et je termine les yeux en appliquant un mascara noir intense pour vraiment redonner de la profondeur à son regard. Pour terminer ce maquillage, je vais appliquer donc un gloss transparent avec un effet un peu vinyle qui va donner vraiment la finition de ce maquillage très glowy, très brillant, très shiny, que j'adore. Pour le teint, le blush, l'highlighter, vous pourrez trouver ce que j'ai appliqué dans la vidéo spéciale Teint Parfait. Je vous dis ciao ciao et à très vite.